bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 9, donc la suite de notre incroyable aventure sur Star Wars Jedi Survivor. Et les droïdes B1 se sont attaqués aux Stormtroopers, et ça c'est quand même assez exceptionnel et extrêmement drôle. Donc on est parti, on va continuer. Là on a, c'est la première fois qu'on voit ça, regardez, une sorte de bouclier, un Stormtrooper à bouclier, incroyable. Yo les gars, ça va ou quoi? Ok, toi t'es mort. Oh, bien joué. Tu vas le regretter. Ok, alors lui, comment on va faire? Mon entraînement porte ses fruits. Voilà. Comme ça, tout simplement. Alors, donc comme je disais, Stormtrooper à bouclier, c'est très très chiant. Il suffit qu'il soit 3 ou 4, quoique. On peut peut-être le scanner, non? Je ne sais pas. Enfonce, BD. Ouais, on va scanner ça et on va scanner le truc derrière. Je crois. Regarde ça. Il y a de l'XP à se faire, là. Oh oui, il y a de l'XP à se faire, regardez-moi ça. Super, n'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire, hein. Je sais que je vous le répète à chaque fois, mais enfin, si vous le faites pas, bon bah déjà c'est pas cool. Et ensuite, c'est la meilleure manière de me régaler, ça ne vous coûte évidemment rien, à part peut-être 2-3 secondes de votre temps. Vous voyez, je vous avais dit quoi sur Star Wars? Ils aiment bien cacher des petits coffres comme ça. Incroyable. Tenue du chasseur. Je vous avais dit quoi, hein, l'épisode précédent? Ok, bon. De toute évidence, par contre, c'est pas là. Je crois que c'est juste à droite, c'est ici même qu'on passe. Ah, waouh. Non, c'est pas du tout ici qu'on passe. Alors, comment on peut faire? Comment on peut faire? Non. Waouh. Comment peut-on faire? On va faire le tour, c'est ça? Je suppose. Waouh. Attendez, mais on peut très vite se casser la gueule. Bon, moi, je crois qu'il faut passer par là. On a juste forniqué le bouclier pour... Oh, je suis mort. Je sais pas ce que j'ai tenté, les gars. Je sais pas ce qui m'a pris. Ouais. Suis-je fou? Alors là. Je t'ai vu sur le centre de tir hier. T'étais lamentable. Hey, j'avais de la buée dans mon casque hier. À cause du brouillard. Comment on peut faire? Là, je l'ai pas. Comment on peut faire? Ok. J'ai essayé de les réveiller, mais ils font même pas gaffe à moi. Là, je suis Keblo, là, en fait, non? Je suis Keblo parce que je comprends pas? Là, y'a quoi? J'y vais, rien à péter. Ok, j'y retourne plus. Ah non, je croyais qu'il y avait des lianes juste au-dessus. Alors là, mes aïeux. C'est sûrement extrêmement con, comme d'habitude. Ça m'embête quand même. Oh là là, ça m'embête. Hein. Ça m'embête, je sais pas du tout pas où aller là. Hein. Ok. Bien compris, mais... Faut sauter le pont, faut trouver un moyen d'aller là. Là, on a un pilier. Là, on a un truc en plein milieu. Qu'est-ce que c'est? Mais non, tu déconnes.
Oh la vache, on aurait pu rester bloqué tellement plus longtemps. Oh, terrible. Voilà, j'ai le choix entre la peste et le choléra. Ok. Je te laisserai pas t'échapper. Ok. Ouais. Bah, on aurait pu rester. On aurait pu rester bloqué très longtemps. Des générations de Raoka ont élevé leurs petits ici. Puis l'Empire est arrivé, tuant et détruisant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Un classique de l'Empire. Même histoire, planète différente. C'est bien ce que je dis, donc un classique de l'Empire. C'était quoi ça? Ok. Le revoilà! Toi, tu vois rien du tout. Juge, la pose est cédée. Attrapez l'ennemi. Allez, ça dégage. Le double sabre, j'adore. Hein. Je suis désolé, il est beaucoup plus rapide, c'est incroyable. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ça, ça va aller derrière, je pense, non? Ah, j'ai eu tort, c'est incroyable. C'est pour remonter après. On peut se barrer. Un autre Steam. Ok, attends, je vais tenter un truc. Aide-moi. Combattons ensemble. Voilà. C'est pas prévu ça. Oh. Je faisais pas attention. Ok. Et toi? Oh, ça c'est stylé ça! Je l'avais jamais fait, voilà, donc je me fais un petit plaisir. Voyons voir. Ok. Allez, pirate-moi ça. Oh, on a le haut du chasseur, le bas du chasseur. Très très bien ça. Quand on va être dans une planète un peu sauvage. Oh putain, je suis un fou. Ouais, j'y allais en mode à l'aveugle. Ok. Waouh. Il s'en passe des Même choses. Avant d'être endommagé, Zed n'aurait jamais pu venir jusqu'ici. Bien sûr, à l'époque de Kree, il n'y avait pas à se soucier de l'Empire. Qu'est-ce que je donnerais pour voir la galaxie à cette époque? Ok. Non, parce qu'il y a eu The Old Republic, où c'était parti en couille à cause des Sith et c'était très obscur. Ensuite, il y a eu la Haute Republic, où là, c'était très très cool. Les Sith n'existaient presque plus. Et ensuite, bah, il y a ça, 2000 ans plus tard, hein, la Skywalker saga, hein, qui a été, qui a été terrible. Je cherche pas les ennuis. Surtout sur Zaf. Alors, Bibiche, on va parler à toi. Je suis un ami. Oh, par la mère des lunes, quel soulagement. Je suis nul en combat. Je suis venu voir cette incroyable structure de la Haute République. Je ne m'attendais pas à devoir repousser des bêtes avec mon journal. Pardonne-moi, je parle trop. Je m'appelle Toa, au fait. Moi, c'est Cal. Lui, c'est BD1. Bon, l'Empire ne sera pas ravi de te trouver ici. Tu devrais peut-être retourner à la vallée. Je crois que je vais faire ça. Ok. Explorer la salle de la Haute République. Putain, elle s'est mis des tables et tout, frère. Elle s'est mis bien de fou. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ok. Et ben le voilà notre raccourci, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bon. Tu as vu sur quoi il tirait? Un droïde espion. Quelqu'un d'autre a des yeux ici. Peut-être les pillards. Ok. Essayons de ne pas finir comme lui. Okay.
Ok, donc elle est là, notre porte, c'est ça? On va s'occuper du frérot, là. La coup de masse! Ça doit être une autre de ces salles de la haute République. Allez, hop! Finish him! Et ben voilà, c'est une sorte de Yeti ça, mon ref! Scanne-moi ça. Allez, on gagne le niveau. Point de compétence obtenu. Très bien, ça me plaît, ça me plaît. On s'améliore, on devient très très fort. C'est tout? Pardon? Attends. Vraie question, si je fais ça. Attends, quoi? On peut pas y aller en fait. Y'a rien à faire. FR. Oh, 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 j'ai rien dit. C'est presque du génie. Heureusement que j'ai eu cette idée d'insister au dernier moment. Hop. Z, c'est sûrement de quoi il s'agit. Un petit bonus. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, un beau coffre. Oh, let's go, le Steam en plus. 5 Steam, c'est abusé. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Augmentation du maximum de Steam. 5 Steam, c'est fou. Hein. Le complexe est proche. Okay. On a juste à traverser cette forêt pleine d'impériaux et de bêtes voraces. Très bien. Est-ce que c'est par là? Donc là, c'était la suite de notre aventure. J'y crois pas. Je ne comprends pas, en fait. Bah, il faudrait peut-être que je check ce qui se passe en bas, non? Non, je sais pas. Suis-je fou? Tellement de questions. On va aller quand même là-haut, hein. T'en dis quoi, mon pote? On fait un petit détour? Ah, il a parlé d'un détour. C'est qu'il y a... C'est forcément un bonus. Là, on est dans une installation donc de la Haute République. Ok. Bienvenue, Jedi. Santar écrit. La voie que nous devons suivre n'est pas toujours immédiatement visible. Ce n'est qu'avec de la patience, une réflexion approfondie et la sagesse de la Force qu'elle apparaît. D'accord. Ok. Ok, je peux faire à gauche ou à droite, très bien. Ah, quelle idée de venir ici. Eh ben oui, c'était évident, c'était évident. Ok. Bon bah écoutez, on va aller là-haut, on verra ce que ça donne. Jusque là, rien de difficile, je sais pas ce qu'on va y gagner, sûrement un point de comp. Ou peut-être un... Oh, peut-être un avantage. Ce serait beau. Ça serait beau. Allez, on va ressentir l'écho. Tu crois que la bise dissimule quelque chose? Oui. Une planète. J'espère que tous ces efforts en vaudront la peine. Quoi? Pourquoi je vais me faire voler?
Pourquoi je viens de me faire voler, sacripant? Santari Cree ne prend jamais la fuite face à un défi. Non, et elle semble exceptionnellement motivée par cette tâche. Oh non, quelle angoisse, je dois tout refaire. Parce que j'ai pris un écran. Non, mais c'est trop. C'est trop. Ok, bon bah on est reparti. Oh merde. On est reparti. Et vous savez quoi, pour être sûr de pas me faire avoir encore, on va le poser là, le bordel. Ok. Ensuite. J'ai fait le con, je crois, en descendant sans prendre l'ascenseur MDR. Non, c'est bon. Ils ont tout prévu. Ils sont malins. On va aller re-récupérer le merdier. Et on va le poser au calme en haut. Et puis on est très très bien. On est très très bien. Alors, qu'avons-nous à droite à gauche? Oh waouh. Ok. C'est quoi ça? Ah ouais. C'est un raccourci? J'aurais vraiment pu passer par là? Ah, attends. Ah ouais, parce qu'on peut prendre ce truc là aussi. Très bien. Et ça. Ça va. Le chemin n'a pas l'air plus abîmé que ça. C'est d'un complexe. Non. Ah non. Viens par ici. Un petit écho, ça me plaît. Ok, putain, c'est un merdier là. Ça me plaît. Oh, quel est le but de tout ça? Les petits temples d'énigmes là, c'est un bonheur, hein. Je peux trouver. Ou en tout cas, je kiffe. Je pense que pour vous, c'est pas spécialement les phases les plus intéressantes, mais enfin. Oh waouh. Qu'est-ce qu'on a là? Une porte. Ok, 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 un petit écho. Très bien. Mon padawan est impatient. Nous sommes tous passés par là. Voyons comment il s'en sortira. Oh. Pourquoi? Où était le truc à Scan? Hein? T'as trouvé quelque chose, BD? Z pourra peut-être nous en dire plus. Écoutez, tout cela est pas mal. Ceci dit, pourquoi être amené à venir ici? Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, ici, ça mène au même endroit. Non. Je suis fou. Je suis fou. Ah.
les bâtards. Non, non, non. Je suis un polo, j'ai pas vu le mur. Ok. Là, par contre, ça, je ne comprends pas. Parce que ça veut dire qu'on fait ça, on fait ça. Ah ouais, mais ça revient exactement au même, en fait. Je comprends pas. C'est juste qu'à la limite, je peux péter ce truc-là. C'est là le bail final, non? Bon, écoutez, toutes les mêmes manières mènent à Rome. Ça, c'était couillu, hein. C'était fort couillu, hein. J'ai eu trop peur. Ok. Un écho de fou. Nouvel avantage obtenu. Let's go. D'accord. Là, on a de quoi descendre. Superbe. Bah, je crois qu'on a fini, les amis. Ouais, je crois qu'on a fini. Ou alors, on n'était pas au même étage. C'est bizarre. On va découvrir ça tout de suite. Ah, c'était pour l'avantage. Ok, c'est fini. On est de retour au même endroit. C'est totalement terminado. Let's go. On peut continuer d'avancer bien. Bon, bah écoutez, j'aime beaucoup ces temples de la Haute République qui permettent d'upgrade un peu son perso. Ça fait plaisir. Bien joué, honnêtement, c'était très très sympa. C'était 8 petites minutes, très agréable. Ok. Allez, on continue. On est dans une installation de la République. De l'Empire, pardon, excusez-moi. Passage de la faille, point de méditation. Allez, let's go. Se reposer déjà, c'est pas mal. Ensuite, avantage. La jauge de blocage est augmentée, c'est bien ça. Et ça? Les lancers de sabre laser infligent plus de dégâts. Et... on lance pas encore notre sabre laser, hein, malheureusement. C'est terrible. Bon, on n'a qu'un point de compétence, on va attendre d'en avoir un autre. Ok. Ah, c'est gigantesque, hein. Très bien, yo les gars. Ok. Ok. On dirait que c'est vieux. Z c'est pourra bonus. Jeter un œil. Ça, je te le dis, c'est bonus. Ça fait rien, BD. On trouvera un autre moyen. Ah, embêtant. Je ne peux pas le haku. Merde! Je peux pas encore l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce qu'on vit là? Ok. Faut que j'aille là-haut? Je ne comprends pas. Ah. Ça, c'est un
truc, c'est faut le prendre, je pense, non? Et on peut pas l'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah oui, putain, ça va haut en plus. Je ne peux pas l'utiliser. Mais pourquoi je peux pas l'utiliser? C'est de la discrimination. Ok, superbe. Ah, peut-être là, non? Mes couilles. Et là... Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, les amis... Il y a un bail, là. Peut-être envoyer son sabre, je ne sais pas. BD, tu veux pas m'aider? On peut pas la pirater pour l'instant. Pourquoi donc? Bon, écoutez, je me dis que c'est sûrement, sûrement une fausse alerte. J'ai pas compris. C'est forcément par là. Non, c'est forcément par là. Mais what the fuck? Des lianes que j'ai pas vues, je sais pas. J'en suis... C'est terrible. C'est fou parce que, en fait, je suis bloqué là où des gens seraient jamais bloqués. Et à contrario, il y a des gens là où jamais de la vie j'aurais été bloqué. Des gens en seraient bloqués, c'est quand même dingue. Là, je vois pas. Alors, on a de la lumière ici qui s'échappe. On a une sorte de générateur derrière. On a un ascenseur qui ne marche pas. Je me dis que c'est sûrement pas le bon endroit. Et pourtant, il mène au bout de la forêt, ce fucking... Ok. Là, réellement... Peut-être aller derrière, non? Je sais pas. Non, on ne peut pas y aller. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a un pouvoir que j'ai pas, les gars, ou... Non, mais c'est frustrant. Et là, si je vais à droite, je peux. Ouais, non, j'ai pas compris. Ok! Les amis... On va aller save au calme. Là, j'ai pas compris. Je vais devoir prendre le temps à la réflexion. Parce que c'est pourtant là la suite, je pense. Peut-être dans mes... Oh, mais non, je vois pas pourquoi une compétence... J'aurais pu ne pas l'avoir, cette compétence, en fait. Ça n'a pas de sens. Ceci dit, rien ne nous empêche de mettre un point de compétence. Mine de rien, parce que ça fait toujours plaisir. La jauge de bocage se remplit plus vite. Réduit le temps nécessaire pour vous soigner. C'est bien, ça. C'est très très bien, ça. Ah oui, c'est très 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 bien. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Si vous voulez me dire un indice sans spoil, n'hésitez pas, je lirai. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, bisous tout le monde. Bye bye.